Vous êtes toujours en vie? Vous avez trouvé quelque chose? Pas mal de poussière et un cristal de mégascope. J'ignore ce que ça peut être, mais c'est sûrement important. Donnez-le-moi, nous le transmettrons au roi. Pour qui vous vous prenez? Gardez vos ordres pour vos sbires. Comme vous voudrez. Attrapez-le! Attaquez-le des deux côtés! Ok. Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher dans Novigrad, Witcher District. Ok. Donc on va enchaîner la suite. Pitoyable. Merde. Merde. Défiez-vous de ces moulinets. Il y a la méthode rapide, la méthode très rapide et la méthode douloureuse. J'ai pris une potion que je voulais pas prendre. Malheureusement, c'est la merde. De la magie. Une gamme m'embauche et je suis obligé de tuer ces mecs. Attaquez-le des deux côtés. Ah d'accord, il part pas parce que j'ai la torche en main. Je comprenais pas. Tu comptes me faire languir longtemps. Tranchage de tête. Ils m'ont mis mal quand même. Ok, donc on va enchaîner. On va terminer la quête du chat. Il nous reste un parchemin à récupérer. Radovid, on lui emmènera les informations sur Philippa s'il le veut. Par contre, faudra dire que tous ces hommes sont morts dans les pièges de la sorcière. Faudra pas dire que c'est moi qui les ai butés. Parce que je pense pas qu'il va apprécier s'il sait que c'est moi qui les ai tranchés. Ok, on va faire un déplacement rapide, on va pas perdre trop de temps. Bien se recharger par contre. Hop là. Alors. Donc Radovid, il est ici à Oxenfurt. Et moi, la quête de chat, la suite, elle était ici, je crois, dans ce bâtiment. On va aller là. Porte de la gloire. Ah. Le cheval qui est dissident. Il saute pas le cheval, non ? Il saute pas. Sérieusement? Oh non, je vais jeter un peu. Ah oui, par contre, j'aurais pu faire un truc, c'est me mettre la quête histoire que je puisse suivre le truc plus facilement. L'école du chat, hop. Plus vite. Et donc ça se fait que pour le coup j'ai pas eu mes yeux de Necker, enfin mes yeux de monstre. Donc les bots je pourrais toujours pas les avoir. C'est dommage ça. Oula on y est déjà, c'est dans ces ruines. Et il y a des méchants, des bandits ou des monstres. On dirait des bandits là. Mais ils m'ont pas repéré. Allez, approche. Bon, pour le faire tomber de cheval, je pense que le mieux, c'est Hard. Oh.
Par contre, ses potes sont partis. Ok. Attends. Ça a l'air d'être à côté. Là. Ok, la marque. Je devrais jeter un œil aux alentours. On va vérifier déjà l'entrée qu'on a vue juste en bas. Hop là. À mon avis, ce sera là-dedans. Il faut retrouver un... Hop. Je commencerai bien par le bas, pour le coup. Oula, c'est qu'il y en avait des trucs. Huile contre le spectre amélioré, ça va être intéressant. Schéma Torlun, c'est quoi ça? Forêt de Maribor amélioré. Torlun, c'est Torlun, ça doit être une arme peut-être. Oh. Journal du prince Adrien. Et voilà, l'épée en acier de l'école du chat. J'ai terminé. Donc chasse au trésor de l'école du chat terminée. On a tous les schémas, donc on peut faire tout l'équipement. L'enclet de cavalerie, décocté de rafale. Donc ça y est, j'aurai mon équipement de Witcher de Novigrad. Tenue légère de combat. Je vais vite fait regarder qu'est-ce qu'il me faut pour fabriquer les épées. Parce que les bots, je sais qu'il manque les yeux de monstre, mais le reste, je sais pas. Putain, il y avait tellement de schémas ici. Schéma de bombe. Pantalon, huile contre les spectres supérieurs. Je viens de prendre une améliorée, et là, il y a une supérieure juste dans le même bâtiment. Va savoir pourquoi. Ok. Bon bah on va aller avertir le seigneur machin truc là. Radovid. On va aller avertir Radovid par rapport à ces trucs. Où est-ce que c'est la quête pour Radovid? Ça, l'ennemi numéro 1 de la Redania. Hop là. Et je vais quand même vite faire regarder. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire les armes? Épée en acier. Je vais voir s'il n'y a pas des épées mieux que ce que j'ai. Donc école du chat, il va me manquer juste du fer, qui doit être facilement trouvable. Mais par contre j'ai déjà une épée qui est aussi bien, donc c'est pas vraiment intéressant de la faire. Après c'est quoi? Inflige saignement, bonus d'expérience en tuant des humains et non humains, ça peut être intéressant. Par contre je perds mon intensité de Quen, d'Axi et d'étourdissement, ce qui n'est pas trop nul. Pour le coup non, les bonus de l'école du chat sont intéressants. Je me la ferai peut-être, je vais sûrement me la faire d'ailleurs. Et l'épée en argent. École du chat. Il me manque les yeux de monstre. Les yeux de monstre toujours. Pour ne pas changer. Par contre l'épée est vraiment mieux que celle que j'ai actuellement. Donc intensité de hard. Inflige saignement. Expérience en tuant des monstres et non monstres. Non, seulement en tuant des monstres. Par contre je perds toute l'intensité de mes signes. Mais elle reste très intéressante. C'est juste qu'il va me manquer les yeux de monstre, hein. Ça c'est vraiment le truc. J'arrive pas à mettre la main dessus. Ah voilà, les lingots de fer, je peux les faire facile.
Il n'y a pas de souci pour ça, donc l'épée en acier, je vais pouvoir me la faire. D'ailleurs, est-ce que je peux faire ça tout de suite? Non, il faut que je sois au bon endroit. Ah, ouais. On va se mettre... Ah, quoi que je l'avais déjà, donc c'est bon. Oxenfurt, on va aller voir Radovid. Bon, le Witcher de Novigrad s'exile à Oxenfurt. C'est juste pour rendre une quête. Comme ça au moins... vous aurez pas vu la quête quand il nous l'a donnée, mais... Parce que c'était en stream, mais... Vous verrez le résultat. C'est à lui. Je vais te faire avaler mon épée, mutant. C'est le navire de Sa Majesté Radovid V, souverain de Redania. Quel est le motif de votre présence? Je viens voir le roi. C'est à propos de Philippa Eilhart. Dans ce cas, suivez-moi. Mais pas de gestes brusques. Je vous ai à l'œil. Pas de problème, l'ami. Sorceleur, où en êtes-vous? Avez-vous déniché Eilhart? Non, elle n'était pas dans son antre, mais j'y ai trouvé ce cristal. Si j'étais en quête de breloques chatoyantes, j'aurais fait appel à un bijoutier. Vous deviez m'amener Eilhart. C'est un cristal de mégascope. Les mages que vous détenez devraient pouvoir en extraire quelque chose. Certes, voilà qui leur permettrait de se montrer utile. Je m'attendais à mieux, mais... Très bien. Vous avez mérité votre prime. Maintenant, veuillez m'excuser, j'ai d'autres affaires à régler. La quête tellement useless. C'est trop la quête, en fait, qu'ils ont mis juste histoire de revoir Radovid. Genre, la quête qui était vraiment pas utile. On va en profiter pour aller voir le... Ah, bah il est pas là. C'est cool. Mais est-ce que, en étant à côté de l'établi, je peux me servir de... Pour faire mon fer? Normalement, je pense pas, mais bon. Ouais, il faut vraiment parler aux commerçants pour... Meilleures marchandises sur cette rive du Pontard. Ok. Bien. Ah, il y en a un autre, on va voir si celui-là est déjà fermé ou pas. Demi. Je veux bien. Bien sûr. L'œil sur mes marchandises. Quel souci. C'est pas une porte, ça? Ah, là voilà. Rebonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer? Un défi, non. Montrez-moi un peu ce que vous avez. On va préparer notre équipement. Alors, déjà, artisanat. On va faire le fer. Là. Voilà. Ensuite... Normalement... Ah, il peut faire que des armures, lui. Ah, dommage. Dommage. Allez, école du chat, c'est pareil. Il manque que les yeux de monstre. Il me faut deux yeux de monstre. On va voir si on peut les démonter quelque part sur quelque chose. Non. Ça, c'est peu probable, Là-dessus non plus.
Putain, c'est dingue, hein. Je galère à trouver des yeux de monstre. Je me demande si c'est normal de galérer autant pour avoir des yeux de monstre. J'avais pas l'impression que ça devait être aussi galère. C'est quoi ça, chose d'infliger incinération? D'accord. Bien. Non, j'aurais aimé réparer mon équipement. Ça, c'est fait. Tiens, il y avait quoi acheter au pire chez lui? Ça c'est quoi, gantelet d'assassin? J'ai remarqué les commerçants ne vendaient rien d'un très intéressant en réalité. En tout cas en ce qui concerne les tenues, c'est franchement très limité. Non, rien d'intéressant. Adieu. Bon, dès qu'on croisera un fabricant d'armes, je pense qu'on va se faire un petit épée du côté de Novigrad et... À partir de là. Honneur et patrie. Sinon, il y avait des quêtes sympas à faire. Je vais peut-être me lancer dans les quêtes pour... Jasquier qui voulait me faire faire du... qui voulait me donner un boulot, donc je pense qu'on va aller faire les quêtes avec Jasquier. C'est la quête qui est là. Et retrouver les cartes pour Zoltan, Chivé. Je pense que c'est les quêtes qu'on va faire prochainement dans le petit... dans ces let's play là. En garde, sorceleur. J'en ai marre de tout ça. Lui, il veut que je lui récupère 3 cartes rares pour qu'il puisse les vendre pour je ne sais quelle raison. Et Jasquier, lui, il veut pourquoi tant de hâte qu'on arnaque une femme pour récupérer l'argent de son père et se payer un cabaret. Je te ferai bien un prix pour récompenser ton... Jasquier. Tandis qu'alentour, la rue n'était que bruissement, figure altière de royal des arrois. Relevant sa toilette de ses doigts délicats, une femme sculpturale s'élança vivement. Jasquier, Eo, tu m'entends? Gérald, je suis en plein processus créatif. À propos, comment trouves-tu ce quatrain? Je jurerais avoir déjà entendu ça quelque part. Ah bon? Ça ne me dit rien à moi. Mais c'est seulement un premier jet, tout un tas de révisions s'imposent. Mais bon, de quoi voulais-tu me parler? Es-tu entré en possession de cette taverne? Où as-tu rencontré Priscilla? Ça te dit un portrait du York? Ah oui, je vais voir ça. Je cherche à me débarrasser d'un portrait du Hierarc Emelfart. Ça t'intéresse? Bien sûr. Ah, ces peintres Alflin. Et c'est l'une de leurs œuvres? Ah, oui. Fantastique! Je vais l'accrocher au thym et au marin. Ça facilitera grandement les inspections de la garde du temple. Alors... Tiens, ouais, comment il a eu cette... Je veux savoir comment tu es devenu propriétaire de cet établissement. Ah, c'est à peine croyable. J'en ai hérité. Et d'Alonso Willy encore, le vieux bâtard en personne. Tu as raison, j'ai peine à le croire. Alonso régnait sur la pègre locale d'une main de fer, alors qu'en fait, c'était un romantique de la plus belle eau. Ce lieu est l'une des raisons pour lesquelles son fils ne m'aime guère. Vois-tu, Cyprian, le petit bâtard, voulait en faire un bordel, mais le thym et romarin m'est revenu. Et je compte bien en faire le sommet d'élégance de cette ville, l'antre des arts et de la culture. Ok, donc c'est ce à quoi il veut qu'on l'aide à faire. Non, ça, on s'en fout. Allez, tu veux vas-y. Bien me rappeler ce que tu attends de Sophronia? J'ai oublié. Je veux transformer cet établissement en cabaret de luxe, Gérald. Mais pour ça, il me faut des fonds. Et c'est là qu'intervient Sophronia. Ouais, ça y est, ça me revient.
Et je dois la convaincre de te faire confiance. Exactement. Et pour gagner sa confiance, j'ai besoin d'une épée de la collection de Madame Irina Renard. Je peux compter sur ton aide ? Ouais, c'est bon, on va le faire. D'accord. Mais... Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan aux petits oignons, tu peux me croire. Ramène-moi l'épée de Madame Irina, on se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Allez, allons lui chercher cette épée de maudite, là. Moi, tout ce qu'il me donne, c'est ça que ramène. Qu'est-ce qu'il mijote encore ? Hop. Hop, 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 hop. Rendez-vous sur lequel la nuit est tombée en fin de Datori. Non, c'est pas ça. Ah oui, celle-là, j'ai trop envie de la faire. Un télépée au théâtre, d'accord. Ouais, l'épée pour Atori et tout ça, j'ai trop envie de la faire celle-là. Le cabaret, le cabaret. Ce serait pas un chien dehors. Attends, faut pas que je me plante parce que là, c'est vrai que c'est un endroit privé leur truc là. Non, c'est pas là, vaut mieux faire le tour. Je suis sûr qu'il y a une entrée par là-bas. Cours privé. Là. Il a l'air drôlement suspect. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Comme on dit, la barbe doit avoir la langue agile et un sorceleur. Tu vas nous fiche la paix un peu. Ah, contente de vous revoir. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée, pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée ? Aucune idée, mais Jaskier prétend que c'est important. Ah, oh, je vois. Je pensais bien que Maître Jaskier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence, au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. Après le crépuscule. Faut que je me dépêche parce que là il avait dit après minuit et on est en plein dedans. Enfin, je crois qu'il avait dit après minuit. Hop là, c'est par là. Bon, les deux passaient. Hey. Ah bah. J'aime bien quand il pleut. Au moins les coupe-bourses ne sont pas. Ah, te voilà enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, c'est ça ? Je savais que tu marcherais. Oh putain. C'est ça ton plan génial ? Tu plaisantes, j'espère. Je pense pas que ça suffira. C'était génial, mais c'est mieux que rien. J'ai déjà écrit ton texte. Tu as écrit quoi ? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Et mets ce foulard pour que Sophronia ne te reconnaisse pas. Mais... Vite ! Voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym et romarin. Oh putain. Halte là. Qui êtes-vous ? À l'aide ! Au secours ! Tremblez, blonde jouvence. Prosternez-vous devant le prince des voleurs. Pas si vite. Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jaskier ? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Je dirais plutôt le connard pourpre.
Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. En garde. Je t'ai peut-être sous-estimé. Vas-y, viens là, Jeskier. Allez, défends-toi, Jeskier. Vas-y, Jeskier. Enfin, vengeur tout. Le vengeur pourpre triomphe à nouveau. Mon héros, tu n'es pas blessé? Juste une petite égratignure. Une cicatrice de plus pour ma collection. Rentre. Je vais panser cette vilaine blessure. Fuyez, vil gredin, ou le vengeur pourpre vous le fera regretter. Oh putain. Oh putain. Dire qu'on a dû jouer la comédie, la con. Oh punaise. Jeskier, il est tombé bien bas. Mais elle, elle est pire, je crois. Se faire avoir de cette manière. C'est juste abusé. Bon, on va mettre fin à l'épisode, à cet épisode maintenant. Et je vous retrouve dans le prochain où on va continuer la quête avec Jeskier, hein, pour le coup. Et on va voir s'il arrive à lui voler son argent. Parce que c'est ça le but, hein, c'est de récupérer. Enfin, pas l'argent de la fille, mais celui de son père. Interdiction de vagabonder ici. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.